À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment ça marche, une imprimante 3D? Née sans main droite, Maxence, 6 ans, a reçu le 17 août 2015 une main artificielle imprimée en 3D. Une première en France. Fabriquée aux couleurs de son choix, cette prothèse est posée sans opération et il peut l'enlever et la remettre à volonté. Et s'il la perd ou la casse? Grâce à la technologie d'impression en 3D, elle ne coûte pas très cher à produire. Mais au fait, c'est quoi l'impression en 3D? Au 15e siècle, Gutenberg invente l'imprimerie. Tout d'un coup, on n'a plus besoin de recopier les livres à la main. Au 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Grâce aux machines, on peut fabriquer des objets plus vite et en plus grand nombre. Et au 21e siècle, grâce à l'imprimante 3D, on peut fabriquer un objet unique, à la demande, juste en fournissant les plans à la machine. Le principe? Des couches de matière sont étalées les unes sur les autres, ce qui donne des objets en trois dimensions, d'où 3D. On peut imprimer en 3D avec toutes sortes de matériaux, comme du plastique, du métal, du verre, du bois. Le procédé peut être utilisé pour la médecine, les loisirs créatifs, la mécanique, l'habillement et même la construction de bâtiments. Des imprimantes 3D géantes peuvent fabriquer des habitations en un temps record, idéal pour reloger les victimes d'une catastrophe. On pense même envoyer sur la Lune des machines capables d'imprimer une base pour les spationautes. Pour l'instant, les imprimantes 3D ne sont pas encore très répandues. Mais demain, tu en verras sans doute partout autour de toi. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.